Bonjour tout le monde, ici Play4You, bienvenue dans cet épisode 3 de la saison 2 de Minecraft Hardcore. Alors, je vous avais quitté la dernière fois dans ma maison avec comme objectif de trouver des ressources. C'est ce que nous allons faire dans cet épisode 3. Donc l'objectif va être de trouver citrouille, champignons, non pas champignons, fleurs, canne à sucre, enfin tout un tas de ressources, la laine aussi, du cochon, et aussi pourquoi pas une caverne naturelle. Donc j'ai joué tout seul quelques minutes juste pour me faire un escalier, l'escalier qui mène directement au sol. Voilà, question de pratique, c'était pas forcément très intéressant de vous le montrer, donc j'ai pas filmé. Alors je retourne dans le jeu, le jour vient de se lever je crois, je me souviens plus très bien. Et on va vérifier que je joue bien en difficile, voilà, je joue en difficile. Alors dehors par contre c'est vraiment la jungle. Je vais baisser un peu le son parce que c'est la jungle. Et donc c'est parti. Fermez la porte. Donc je vous montre. Voilà. Donc j'ai creusé un escalier directement qui mène au sol. J'ai pas trouvé de ressources. C'est regrettable. J'ai pas trouvé de fer. C'est pas grave. Bon, il s'est cassé la gueule. Je vais jamais pouvoir le récupérer. Oui. Alors, deux petites secondes. Hop, voilà, j'ai activé le mode nourriture. Faut pas que j'oublie de l'activer. Celui-là, faut que je trouve un moyen d'ailleurs pour qu'il s'active tout seul à chaque début d'épisode. Donc je rappelle que je dois bouffer régulièrement sous peine de mourir et de voir les épisodes s'arrêter là. Donc, des bruits de mineurs, j'ai l'impression. Hop, je vais augmenter très légèrement le volume. L'escalier que j'ai fait tout seul, tranquille dans mon coin, c'était pas très intéressant de vous le montrer, et il mène directement en bas. Donc l'objectif ici va tout simplement être de trouver des ressources, dont la fameuse citrouille. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, j'avais observé une citrouille. Fais gaffe, hein, j'ai qu'une seule vie, j'y tiens, surtout que j'ai pas d'armure, donc ça... Ça peut aller très très vite. Un lion. Encore un lion. Je me méfie. Il y a vraiment des bruits bizarres. Hop, on va passer par là. Je me méfie. J'ai pas du tout envie de crever. Hop. Je vais prendre mon épée au cas où. Hop, une citrouille, en plus il y en a plusieurs donc c'est parfait. Il m'en faut 4 pour mon défi et je viens de trouver 4 directement. Donc c'est tant mieux. Vraiment pas compliqué. Je vais prendre aussi les fleurs jaunes puisque je rappelle que je dois faire un jardin impérial avec plein de fleurs. Et je vais aller voir ici si je peux trouver une petite caverne naturelle. Oh, il y a du fer. Donc s'il y a du fer, ça m'intéresse, il me faut absolument. On va aller affronter ce tigre en lâche. Voilà. J'ai bien l'impression qu'il y a une caverne naturelle ici. C'est parfait. On va prendre ce fer. J'en ai vraiment besoin. Oui, c'est vraiment pas rassurant. C'est très flippant parce que j'ai pas du tout envie de mourir. Et comme je vous assure que je ne tricherai pas, il est formellement interdit de reprendre la sauvegarde. Ce serait dommage de d'arrêter déjà la saison 2 ici. Un monstre, c'est un petit démon. Il faut que je me fasse une épée en fer. Ça va être l'objectif de l'épisode suivant. Je vais remonter chez moi, je vais me faire une épée en fer parce que là. Bon, une grande caverne. Je sais qu'elle est là, c'était pas l'objectif de cet épisode, ce sera l'objectif de l'épisode suivant.
Voilà, donc c'est bon, c'est grand, c'est immense, il y a de quoi faire. Pas, je vais pas prendre de risques. Je sais même pas si ça sera l'objectif de l'épisode suivant, ceci dit, parce que j'ai pas d'armure, donc c'est relativement dangereux. Enfin, ceci dit, si je veux trouver du fer, bien falloir que j'aille explorer des cavernes. Donc ok, on va faire ça. On va garder cette caverne pour l'épisode suivant, tout simplement. Je pense que ça peut être intéressant de commencer un peu l'exploration sous terre en vue de trouver du minerai, tout simplement. Donc cet épisode-là, je vais consacrer la recherche extérieure, les fleurs. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une fleur là. Je me méfie parce que je crois bien qu'il y avait un lion quand même qui traînait quelque part. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On va regarder, hein. Apparemment pas grand-chose. On va quand même aller voir. Donc ma barre de bouffe en bas à droite, vous voyez, descend très rapidement. Donc je continue de manger. Faut que je mange régulièrement parce que si je ne le fais pas, je vais mourir. J'ai plus que 4 côtes de porc. Donc ce serait intéressant de trouver de la bouffe, trouver des cochons, faire cuire tout ça de façon à pas être pris de court, notamment dans la caverne naturelle que je m'apprête à explorer dans l'épisode suivant. Il faudra que je vienne avec de la bouffe. Je me demande si c'est pas le début ici. Ouais, je crois que c'est le début. On voit des ogres là-bas. Je vais m'en éloigner. Aucune raison de m'en approcher. Pour l'instant, je rappelle que j'ai comme défi de tuer tous les ogres différents du jeu. Donc ogre vert, ogre de caverne et ogre de feu. Mais je le ferai avec un arc. Et bien plus tard. Là, on a un bandit. Je m'en écarte. J'ai pas d'armure. Cactus en face, il me les faut absolument. Il me faut absolument ces cactus puisque je dois en planter dans mon jardin. Donc, je vais aller les prendre. Canne à sucre aussi. Voilà, c'est parfait. Cactus, canne à sucre, je prends. Je rentre chez moi, je me fais une armure. Tiens, on a un papy gâteau ici. Il faut que je lui donne un gâteau et il sera content. Le problème, c'est que j'en ai pas. Bon, de toute façon, c'est pas un PNJ hostile, donc je m'en inquiète pas. Je regarde bien autour de moi parce que c'est ça peut pop à n'importe quel moment. Ah, je vais prendre mouton, canne à sucre. Ça va me permettre d'avancer dans le défi. Hop. Voilà, nickel. Une bébé momie, on se casse tout de suite. Hop, 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 hop. J'ai pas du tout envie de me frotter à ça. C'est petit, mais c'est costaud, ça me fait peur. Donc, ce que je vais faire. Voilà, elle a abandonné. Ce que je vais faire, il y a un bandit à droite, je vais rentrer. Je vais me faire fondre mes barres de fer dans l'objectif de faire une épée. Je vais voir si je peux pas trouver des vaches aussi pour me faire un début d'armure. Et ensuite, on va aller explorer la caverne dans l'épisode suivant. Je vais y aller tout doucement, je vais pas prendre de risques, j'ai qu'une seule vie, j'ai pas du tout envie de la perdre. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Vraiment des bruits bizarres. Mince. Lui, il attaque. Hop, voilà, nickel, j'ai trouvé de la viande, c'est parfait. Par contre, mon épée est vraiment morte. Faut pas que je croise de monstres, sinon je pourrais pas me défendre. Un peu de charbon ici. Je vais prendre vite fait le charbon et je me casse. Ah, excellent, du charbon. C'est toujours ça de prix. Donc je pense qu'on va s'amuser dans la caverne souterraine que vous avez vue dans l'épisode suivant. Puisqu'il y a énormément de monstres qui ont été rajoutés. Et que forcément, c'est sûr et certain que je vais en croiser. Je vais croiser pas mal de nouveautés. Sûrement des ogres. De nouveaux bruits, de nouvelles bestioles. Et à mon avis, ça risque d'être sympa. Ah, c'est par là, c'est chez moi. Je connais pas encore très bien la carte. Mais je crois bien que c'est par là. Voilà. Hop. Alors, l'escalier, il est là. Bon, le cœur, j'en ai pas besoin. Voilà, on va remonter. Je vais poser tout ça dans le coffre. Coucou, je t'ai vu. Hop, hop.
Le coffre, il est là, donc je vais commencer à stocker mes fleurs, canne à sucre, cactus pour mon jardin. J'en ai pas besoin de tout ça pour l'instant. Ça sert à rien de les garder sur moi. Et je vais faire cuire mon fer. Je vais aussi faire cuire la bouffe. Ah oui, les citrouilles aussi, il faut que je les stocke. Hop, voilà. J'ai de quoi faire une petite armure. On va se faire des bottes. Voilà, des bottes en cuir. Et voilà. Bon, c'est vraiment très léger comme armure. Mais c'est un début. Et là, on va se faire une épée obligatoire. Voilà. Bon, bah ça... Je vais jeter l'épée toute pourrave. Là, il sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Donc la nuit tombe. Quand la nuit tombe, c'est synonyme de fin d'épisode. Hop. Alors, je vais en profiter pour me faire cuire la bouffe. Voilà, donc j'ai de quoi faire pour l'épisode suivant. J'ai une épée en fer, j'ai de la bouffe, j'ai de la place, j'ai des pioches, j'ai tout ce qu'il faut. Résultat, on va aller explorer la caverne. Alors, il me reste 3 minutes dans l'épisode. Je suis bien embêté parce que je peux pas faire grand chose. Il fait nuit dehors, c'est un peu dangereux. On va quand même y aller. Je vais essayer de sécuriser un peu le périmètre en mettant des torches. Hop, voilà. Je vais essayer aussi de couper ces arbres pour avoir une meilleure vue. Et dès l'épisode suivant, ça risque d'être tout de suite plus mouvementé. Là, je vais dégager un peu la vue. Ça sert à rien, ces arbres. Hop, voilà. Il doit en rester un autre. Oh, lui, c'est un grand. Non, pas sûr, finalement. Si. Son casse-couille, les arbres géants, parce que... Mes 3 plombes à les déraciner. Bon, bah, de toute façon, j'ai plus de hache, donc ça m'arrange. Donc, j'ai vraiment... un coup de cœur sur cette carte, regardez-moi ça, elle est vraiment magnifique. De grandes mines, de la flotte, on observe ma cabane du premier jour là-bas. Par là aussi, ça donne vraiment sympa. J'aime bien être en altitude, donc un cochon, on va le prendre. Voilà, on va commencer à stocker. Hop, nickel. Je vais aller voir, ça se trouve, je peux me refaire encore une petite armure. Allez, on ferme. 5, et ben voilà. On va se faire un casque. C'est parfait, ça avance bien. Et ça, la bouffe est cuite. Bon, ben c'est nickel. Là-dedans, c'est bon. Le bois, je le garde sur moi, on peut toujours en avoir besoin. C'est bientôt fini ce bordel, oui. Il y en a qui aimeraient bien dormir. Ah, la carte est vraiment intéressante, regardez ça. Donc ça se promène en bas, j'ai bien fait de me mettre en altitude, moi je trouve que je suis plutôt peinard ici. Là-bas il y a un fantôme de feu, ouais on le voit. Bon ben voilà, je vais vous laisser là, je vous dis à très bientôt pour l'épisode suivant qui va être consacré donc à une toute nouvelle galerie souterraine. Je pense qu'on va s'amuser, enfin, je pense que surtout vous, vous allez vous amuser. Moi je vais stresser, mais c'est pas grave, je commence à avoir l'habitude. Allez hop, retour à la maison. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de Minecraft Hardcore saison 2. Salut à tous!